d'humeur de Grégoire Courdet. Chaque semaine, il analyse l'actu pour en faire un petit billet d'humeur. Comment se sent-il cette semaine ? Bonsoir Grégoire Courdet. Bonsoir Guillaume, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Et cette semaine, un petit message pour toi qui te fais péter dans le métro, les gares, les hôtels. Toi qui pars en guerre au nom de Dieu sans savoir ni où ni pourquoi. Toi qui ne penses plus, rassure-toi, t'es juste con. Va te faire péter. Ok patron, t'es con ? Oui patron. Parfait, bienvenue. Fais-toi pousser la barbe, tire à la calache, tu seras un bonhomme. Mais non, t'es con. Juste con. Con comme on n'a jamais vu. Con parce que tu ne comprends rien. Tu ne dis rien avec tes bombes. Tu cries juste un peu plus fort, je suis con. Je suis con ! Et comme tu doutes qu'on en soit sûr, tu viens nous tuer. Mais rassure-toi, on le savait déjà, pas la peine de te déranger, on en était déjà persuadé. T'es con parce que c'est la seule chose que je trouve à te dire. Juste con, les autres insultes sont trop longues. T'es con. C'est rien de le dire, mais ça va mieux en le disant. Je ne te trouve aucune excuse, aucune raison. Jusqu'où vas-tu aller pour montrer que tu es juste con ? Tiens, au passage, sais-tu d'où vient le terme « con » ? Ça va te faire sourire. Il désigne ce que tu détestes le plus, ce que Courbet a nommé « l'origine du monde ». Courbet, ce peintre dont, si tu pouvais, tu détruirais les œuvres, et celle-ci encore plus, puisqu'elle représente le vagin d'une femme. Deux gros mots pour toi, vagin et femme. Dans ton cerveau de moineau, comprends-tu quelque chose à la beauté du monde représentée par ce tableau ? Un monde où jouissance et création se mêlent au même endroit. Un monde de femmes. Un monde provocant, excitant, plein de promesses. Un monde que tu cherches à détruire, mais rassure-toi, l'origine du monde ne changera pas. Drôle de monde, me disait ce matin un ami bruxellois, commentant par texto les événements du jour. Drôle de monde, disait-il, en ajoutant « Ici c'est la folie, la rue est bloquée, il y a des ambulances partout, dans tous les sens, qui évacuent les blessés ». Ou pire. Drôle de monde où ce message pourrait s'écrire un peu partout sur la planète à cause de cons comme toi. Drôle de monde qui ne tourne plus très rond, mais qui tourne et continuera. Alors rassure-toi, le con, tu peux continuer à te faire sauter, ça nous fera hurler de peine, pleurer de douleur, ça nous fera mal, mais après il y aura toujours un truc, un petit truc qu'il semble que tu aies oublié, un truc qu'on appelle la vie. Une vie joyeuse ou cabossée, parfois bancale, parfois chiante, une vie imparfaite, mais la vie, toujours. Alors continue, mon con, on sait déjà qui gagnera. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris m'est trahi, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse, mon.